Le but de policier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aider, servir et protéger la nation. Moi, je remercie absolument les forces de l'ordre qui se lèvent chaque matin. Voilà, tous ces policiers qui se lèvent chaque matin pour un peu plus de sécurité dans les rues et qui se dressent contre cette racaille. Qu'est-ce qu'on entend par racaille? Eh bien, c'est peu importe l'origine ou le statut social. C'est un comportement avant tout. Et honnêtement, certains policiers, à mon avis, sont de réels virtuoses de la méditation, car quand ils reçoivent des provocations, mais des provocations à outrance, et que le commun de mortels aurait déjà dégonné une matraque télescopique pour péter un genou, eh bien tu en as d'autres qui restent maîtres de leur émotion. Bravo à eux. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news et actu du jour avec... Bah, tu l'auras capté, hein. On les avait déjà vus et c'est encore avec la même personne. Ça, c'est incroyable. Donc le gars qui filme avait déjà filmé les mêmes policiers, voilà, et là il réitère. La dernière fois c'était pour quoi? C'était pour une enceinte, donc même place, plus ou moins la même place en tout cas, il mettait son enceinte super fort et les policiers sont passés en demandant, écoutez monsieur, mettez plus bas ou coupez la musique. Il a fait son cinéma, il les avait filmés, il avait fait un scandale, bref, avec des arguments totalement... Enfin, il n'y avait que des inepties qui sortaient de sa bouche. Là, il réitère, parce qu'apparemment, il y aurait eu une insulte. Bon, je te mets la vidéo, on check ça après. Alors, est-ce que j'ai le droit de vous parler, moi? Bien sûr. Insulter les gens? Je l'insulte, oui. Et s'il revient, je l'insulte. Ah ouais? Oui. Bah, insultez-la devant moi, vous allez voir. S'il revient, je l'insulte. Ouais, parce qu'elle, il m'a insulté. Pourquoi vous l'avez insulté? Parce qu'il m'a insulté. Il m'a insulté. Pourquoi vous l'avez insulté? Parce qu'il m'a insulté. Non, pas. Elle est où cette personne? Elle est à l'intérieur, voilà. Tu vas me taper, monsieur? Mais monsieur, regardez ce que... Tu vas me taper. Voilà. Imaginez-vous, donc, filmé comme ça. Très proche en plus. Donc le téléphone, il est extrêmement proche. Et tu lâches... Tu vas me frapper, monsieur? Tu vas me taper, monsieur? En rigolant, en se foutant de lui. Il n'y a pas une loi qui interdit ce genre de comportement, ce genre de provocation à l'égard des forces de l'ordre. Voilà, je sais pas, moi, chopez-le, mettez-lui les menottes, en garde à vue, et vous l'éduquez un peu, hein, celui-là. Voilà, 4 heures de garde à vue avec une amende, ça pourrait peut-être l'éduquer, ça pourrait peut-être le faire réfléchir à son comportement. C'est juste que, voilà, les racailles, le monsieur là, pour moi c'est une grosse racaille vu son comportement. J'en ai rien à foutre d'où il vient, comment il parle, son comportement, moi, je n'adhère absolument pas. Et voilà, il se permet parce qu'il se sent tout permis. Voilà, il y a du monde, on filme avec les réseaux sociaux, tout ça... Mais monsieur, regardez ce que... Tu vas me taper. Non, mais regarde... Tu vas me taper. Tu veux me taper? Tape-moi! Vas-y! Si tu veux arrêter le travail! Collègue, moi je rentre en Maroc, le service secret! C'est nous qu'on envoie! On sait très bien ce qu'ils vont venir. Voilà, service secret. Oui. À mon avis, le secret, c'est là où ils ont planqué son cerveau à la naissance, et il est toujours en quête avec sa petite carte à faire son... chercher, voilà. Il a une carte au trésor, et le trésor final, c'est son cerveau. Tout simplement. Voilà, c'est ça le secret. Monsieur, si tu me tapes, monsieur, tu vois pas le salaire à la fin du mois. Monsieur, c'est à moi. C'est sûr. Monsieur, c'est à moi que vous parlez. Oui. Mais votre collègue, il a déjà fait une dépression, je sais. Monsieur, vous dites beaucoup de choses et vous parlez sans savoir. Vous partez derrière? Monsieur, regardez-moi. Vous partez derrière? Oui, je pars. Je vous connais, on a déjà... Parce que j'étais... Arrêtez de fumer, ça sert. Non, ça sert. Il a venu me taper en plus. Il a dit insulte là, tu verras. Voilà, ça c'est de la... Je pourrais appeler ça de la diffamation. Il a voulu me taper. S'il publie ça. Alors qu'il ne l'a pas dit et il n'a fait aucune menace. Quoique, une menace est sous condition. Donc insultez-la et vous verrez. Ah! Légalement, ça se discute. Ah, légalement, voilà, c'est pour ça que je vous dis, les gars. Rappelez-vous hier, je vous disais, il y a le harcèlement légal et il y a le harcèlement illégal. Mais là-dessus, ça se discute. Tu verras, moi. Je parle légalement, hein, pas moralement, parce que l'autre, ça... il est né par le mauvais trou. Hein. Je suis policier, je fais 100 kilos chaque jour. Tu verras. C'est parce que je suis arabe, je m'appelle Abdellah. C'est nous qu'on paye les impôts. Et on va rentrer, et la France, elle va être baisée, monsieur. Tout le monde rentre. En Maghreb, le roi, Hassan II. Bon. Si déjà les OQTF, les racailles, les criminels et les délinquants pouvaient se barrer du pays, voilà. Voilà, ça fera un petit ménage, voilà. Et pour le reste, pour les ressortissants européens qui sont des racailles, des criminels et des délinquants, tu tapes ça en tôle, tout simplement. Que dire de cette séquence-ci? Bah, ça fait péter un plomb, hein. Voilà. Ils doivent en voir de toutes les couleurs à tomber sur des dégénérés mentaux pareils. Déjà, ça s'entend au niveau de ses arguments, ça s'entend à son intonation, ses tournures de phrases et la façon qu'il a de se comporter avec eux. Voilà, donc zéro éducation. Bon, ici, bah, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est un contrôle qui tourne un peu au vinaigre, donc le monsieur va s'énerver. A-t-il raison ou pas? Je ne sais pas, mais il y a une façon de s'exprimer, en particulier quand tu t'adresses à des forces de l'ordre. J'espère que vos femmes, elles sont fières de vous. J'espère que vos femmes, là, quand vous êtes à la maison, elles sont fières de vous. Je crois pas, je crois pas. Vraiment, je crois pas. Vraiment, je crois pas. C'est pas un métier, ça. C'est pas un métier, faire les gens. C'est police, sécurité, servir les gens ou faire les gens. Faites les gens, vous me faites perdre mon temps. Ça fait 30 minutes, je suis là. Vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi vous? Hein? Faut me dire qu'est-ce que vous êtes. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer ce que vous êtes. Vous servez à quoi? Elle est quoi? Elle est où votre utilité là? Là, vous avez gagné quoi là? Hein? Concrètement, t'as gagné quoi? Hein? Concrètement, vous avez gagné quoi? Hein? Vous avez gagné quoi? T'as gagné quelque chose? T'as rien gagné à part perdre du temps et me faire perdre mon temps. Regardez-moi cela. Sur la vie de ma mère, vous allez passer dans les réseaux sociaux. Ceux-là, ils méritent de passer dans les réseaux sociaux. Les gars, je roule avec un Range Rover, je suis un petit black. Ils ont décidé de me contrôler, pourquoi? Politique de la victimisation. Je suis un petit black. Oh non, les cartes se sont barrées. Oh, voilà, j'ai dû les remettre. Toujours la même chose, toujours les mêmes arguments. Ça. Donne tes documents. Voilà. Bonjour monsieur, voilà mon permis, voilà ma carte d'identité, voilà les papiers du véhicule. Merci. C'est bien passé, tout est en ordre. Ah merci, ok, ça va. Ben, une bonne journée à vous. Au revoir. Voilà. J'en discutais avec un de mes collègues justement samedi. Il s'appelle Aimé, qui est black également, et qui m'a dit, je me suis déjà fait contrôler plein de fois, il me dit, à chaque fois je suis tombé sur des policiers aimables, tout le temps. Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que je donne ma carte d'identité, mon permis de conduire et papier du véhicule, merci, au revoir, bon week-end. Voilà! Mais non, à l'époque d'internet, il faut filmer, il faut balancer tout ça sur les réseaux sociaux, et voilà, il faut se faire passer pour la victime du coin. En tout cas, j'espère que ta femme est fière de toi. Voilà. J'espère que ta femme, elle voit comment tu es, c'est-à-dire tu agis comme une grosse victime. On va savoir. Motif de contrôle, c'est avec ma fille. Évitez de me toucher, monsieur, s'il vous plaît. Je vous touche pas, moi. Vous allez pas sur la voiture. Je vous touche pas, me touchez pas. Me touchez pas, c'est dangereux. C'est ce que vous faites, c'est dangereux. C'est énerver les gens, c'est ce qui est dangereux. Vous êtes là, vous parlez je sais pas quoi. Arrêtez de me parler, parlez-moi pas. Appelez vite vos collègues, s'il vous plaît, qu'on finisse. Vous croyez qu'on est des enfants ou quoi? Ouais, je m'en fous de ce qu'ils arrivent ou qu'ils arrivent pas. Faites vite votre boulot. Vous pouvez pas faire votre boulot comme ça. Vous êtes des. Vous êtes... Bah, à la réponse, à la question. Vous pensez que qu'on est des enfants ou quoi? Bah oui, bah c'est exactement comment tu es en train d'agir. Voilà, vu ton comportement, t'es juste un adulte dans un esprit d'enfant. Voilà. C'est tout. C'est sa façon d'agir sur ce moment-là. Je le connais pas dans la vie de tous les jours, hein, mais ce moment-là. En plus d'être irrespectueux et de jouer la politique de la victimisation, c'est ça que ça me fait penser. Allez, et on va finir ici. Bon, ça c'est une vraie dinguerie, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, les gars. Ça ne m'étonnerait pas de toute façon. Écoutez ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, je vais encore faire ma relou de service. Mais j'aimerais savoir quand les Français vont se réveiller. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a découvert qu'il y avait un trou dans les comptes publics de 60 milliards en 9 mois. 60 milliards, sachant déjà que notre dette est à 3200 milliards, c'est-à-dire à beaucoup plus que ce que l'Europe nous demande, c'est-à-dire les 3% du PIB. Et puis qu'est-ce qu'on apprend, évidemment, hein, c'est que le budget de l'Elysée va s'augmenter comme ça, tranquille, hein, de 3 millions. Il y avait déjà eu 11% d'augmentation, hein, ce qui avait été dénoncé par les rapporteurs des finances publiques. Ben non, là, 3 millions. Et puis, ben, en attendant, on va augmenter l'électricité, hein, on va moins rembourser les consultations, certains médicaments, hein, et puis toutes les charges, hein, parce que ne croyez pas, hein, le quoi qu'il en coûte, c'était pas gratuit. Hein. Et puis cette gestion calamiteuse, évidemment, Bruno Le Maire, lui, il va en Suisse donner des cours, hein, mais il ne va pas rendre des comptes, vous vous rendez compte? 60 milliards de déficit supplémentaire, un trou hein, comme ça, qui n'a même pas été donné aux rapporteurs des finances publiques qui ont découvert ça comme ça. Hein, on leur a caché. Et Bruno Le Maire, M. Macron, voilà, sont toujours là, tout se passe très bien. Hein. C'est super, on est content, bah, tout va bien. En Martinique, il y a le feu, hein, parce que bah, les prix sont énormissimes et que la vie est trop chère. Hein, bah, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie la police. Bah oui, c'est bien. Bientôt, on va leur envoyer aussi les CRS. Et puis nous, bah, qu'est-ce qu'on fait en métropole? Parce qu'en Martinique, vous inquiétez pas, ça rigole pas. Hein. Ils se laissent pas faire. Mais nous, en métropole, bah, on fait rien. Hein. On est content, ça se passe bien. Tout va bien. Hein. Et ben moi, j'aimerais savoir quand vous allez vous réveiller. Ce serait bien. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et moi je vais lui répondre oralement si je devais dire une réponse. C'est pas réellement une réponse, mais... Pilule rouge ou pilule bleue? On choisit de se réveiller ou on choisit de dormir? On choisit d'ouvrir les yeux et de voir dans quel monde on vit réellement. Peu importe le bord politique, on va toujours être dans la même mouise. Ou bien on continue de croire en ce qu'ils nous disent. Gauche, droite, milieu, centre, Mordor, elfe, nain, orc, urukai. Et même moi, les gars. Voilà. Donc, pilule bleue ou pilule rouge. On va se finir là-dessus. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Que Dieu te bénisse. Bye bye.